Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans notre épopée chez les bouffeurs de Moussaka. On devait rejoindre Phileas au port pour l'aider à se barrer, mais entre deux, je suis tombé sur un point de vision qu'on va aller voir tout de suite. Hop là, on synchronise et on en prend plein la gueule. Bref, il est là-bas. Ah, il faut que je le retrouve de nuit. Donc j'ai un peu de temps pour faire de la merde quand même entre deux. Alors, apparemment là-bas, il y a un coffre à aller voler. Et quand il y a un coffre à aller voler, je suis toujours au rendez-vous. Et c'est à Larsin. Personne m'a vu. Que fait cet homme en slip? Il regarde une table. Pas très épique. Bah dis donc, t'en as des grandes poutres, toi. Il me reste plein d'actes tout à fait délinquants à effectuer. Tout à fait des actes de dissidence absolue. Genre brûler leur matériel. Ah mais là j'ai juste chauffé leur truc. Ah mais c'est vrai que faut que j'utilise la torche que j'envoie sur sa gueule. Non mais tac, mets-moi le feu à ça. Hop là. Allez vous faire foutre. Je fais tout cramer moi. Allez monte. Tac. Et range ta torche, c'est pas très discret pour un pyromane. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez on se casse. Parce que franchement, il n'y a pas un air de ressemblance entre moi et cette magnifique statue. Non, pas du tout. Ouais, c'est la teuf ici. Et regardez, moi aussi je danse. Laissez-moi participer à la fête. Entre la danse et la crise d'épilepsie. Ouah! Elle se trimballe avec un jaguar, elle. Enfin, un léopard. Tranquille, au calme. J'ai pas envie de lui tomber dessus aussi. Allez. Je prends mon paddle, déterminé à aller poutrer la fille d'Artémis. Vu que la nuit décide de ne pas tomber. Et que là, j'ai encore un moment là. Au vu du soleil. Ah ok. D'accord, en fait c'est tout un camp qu'il faut que je poutre. Et ils sont tous niveau 15, c'est con. Ouais. Est-ce que je pourrais pas en suriner une dans les fouets? Merde, elle m'a repéré. Allez, meurs toi. Oh là là, je me suis fait démonter. Non. Ben, j'ai pris feu, merde! Ok. Bon, les femmes sont beaucoup trop violentes pour moi. Trop castratrice, je me casse. J'en ai marre d'être leur objet sexuel après qu'elle m'ait tué. Hop là, méditons pour attendre l'autre con. Bonne méditation au mieux de nulle part. Ok. Oh bien, tu es là. Je commençais à m'inquiéter. Je t'ai dit que je devrais quitter Athènes. C'est vrai, oui. Ton ami est digne de confiance? Hera, c'est moi. Nous sommes amis depuis très longtemps. Je lui ai envoyé un message pour lui dire. Ok. Allons-y. Ici ne nous apporterait que des ennuis. Partons pour Seriphos tant que nous pouvons. Allez, tac. Ah, mais c'est une session. On prend le bateau là. Et il faut aller à l'autre bout du monde. Oh non. Oh non.
cochers, préparez-vous. Hop là, allez les gars. Lancez les lances. Allez, on leur remet plein la gueule. Et boum. Allez, mais sortez-vous les doigts du cul. Voilà. Hop là, tout ça pour 17 bûches. Ouah, mais là c'est le tsunami, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la maxi merde. On va tous mourir. J'arrive pas dans mon bateau, je te fais bouffer, t'en vomi. On s'amarre. Nous sommes arrivés. De te voir sain et sauf. Moi aussi, Terras. Comme tu peux le voir, je ne suis pas venu seul. Ah oui, voilà le héros compatissant dont parlait ton message. Ah, j'ai fait pas un tour, je tenais à veiller sur Phidias. Bon, on va lui lécher les boules. Et pour te remercier, j'ai trouvé des informations sur un dénommé Brison qui cherche à tuer Phidias. Espérons que cet indice pourra être utile. Oui, moi aussi. Remercie Périclès pour moi, et fais-lui mes adieux. Et sois prudent. Je pense que beaucoup sont encore en danger. Ok. Quête terminée, la fuite d'Athènes. Et donc là, on est sur... sur une petite île. Niveau 14. Oui, ça c'est beau. Mais c'est beau. Donc on a un point d'aptitude à dépenser. Ouais, j'ai gagné masse d'XP. Alors qu'est-ce que je vais dépenser? Sont mes assassinats. Ouais, clairement moi je veux améliorer ça. Voilà, moi je veux des assassinats bien métal. Oh, ça c'est bien stylé ça. Yes. Je prends. Ouah, mais j'ai carrément des visages sur mes genoux. Ah, c'est vraiment métal. C'est Phyros. Donc ça, c'est sous le joug d'Athènes. Hein. Donc là, il y a de l'Athénien à poutrer. Hein. Hop là. Et on se laisse sur cette synchronisation. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous souhaitez voir la suite de l'aventure et les autres contenus que je propose. Je continuerai à faire des vidéos de façon un peu plus ponctuelle sur Assassin's Creed. Le jeu, j'y joue de temps en temps, mais c'est pas un jeu auquel, on va dire, je joue extrêmement régulièrement. Il y aura d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, mais de façon, ouais, vraiment plus ponctuelle. Bref, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.